أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons essayer de résumer et de commenter assez brièvement le brillant exposé que vient de nous délivrer Serigne Khalil Mbake et qui portait sur le thème du modèle d'éducation dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Khalil nous a d'abord rappeler la pertinence de célébrer en ce lieu, dans ce pays, des journées consacrées à l'œuvre littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba. Car vous n'êtes pas sans savoir que le Cheikh a été exilé pendant 7 années de sa vie par les colonisateurs français, précisément dans ce pays qui est le Gabon où vous résidez et dans lequel nous célébrons aujourd'hui l'importance de ses écrits. Pour ce qui est de l'éducation, comme l'a si bien expliqué le présentateur Serigne Khalil, elle se trouve au cœur même du message de l'islam. Car c'est le Seigneur lui-même qui nous apprend dans son saint livre que l'âme charnelle incite au mal. Cela veut dire que l'être humain, il a été créé avec un penchant qui le pousse à suivre ses passions et à s'abaisser. Donc, l'objet de l'islam, c'est d'élever cet être humain vers le Ahsani Taqwim, comme le dit le Seigneur, la forme la plus parfaite, et de l'éloigner de Asfal Safilin, les degrés les plus bas de l'être humain. Donc, en un mot, l'éducation consiste à éloigner l'homme des vices et à le combler de qualité, à remplacer ses vices par des qualités. Et c'est justement cela, le but de l'islam, c'est de parfaire l'homme pour en faire un digne représentant de Dieu sur terre, Khilafatullah fil ard, pour qu'il puisse l'adorer comme lui a recommandé le Seigneur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'à la seule fin qu'ils m'adorent. Donc, pour cette adoration-là, il faut que l'être humain ait les qualités requises. Et c'est justement cette adoration qui lui permet d'accéder, Inch'Allah, à l'au-delà, au paradis. C'est pourquoi donc le prophète alayhi salatu wa salam a été loué dans le Coran pour ses belles qualités. Certes, tu es d'une qualité éminente, lui a dit le Seigneur. Donc, pour dire que le Seigneur ne l'a pas loué pour sa belle naissance, pour sa beauté physique ou pour d'autres attributs, mais il l'a loué uniquement pour ses belles qualités qui font du prophète alayhi salatu wasalam la meilleure des créatures, le meilleur des humains, qui fait que Cheikh Ahmadou Bamba se réclama son serviteur Khadim Rasulullah. Et c'est dans ce service, cette khidma que Cheikh Ahmadou Bamba comptait effectuer pour le prophète, une khidma, un service qui n'est rien d'autre que la réhabilitation des qualités donc prônées et enseignées par le prophète. Donc c'est ce service-là que Cheikh Ahmadou Bamba a matérialisé et qui fait que il a produit des disciples donc chez qui on retrouve les qualités qu'on disait être attribuées aux compagnons du prophète. D'ailleurs,
la géographie mouride nous enseigne que Cheikh Amadou Bamba, en s'adressant à ses disciples, avait l'habitude de leur dire: je vous désigne les compagnons du prophète comme vos modèles. Donc tout ça pour dire que l'œuvre de Cheikh Amadou Bamba s'inscrit dans cette dynamique de l'islam, de l'éducation, de l'épanouissement intégral de l'être humain qu'il avait donc entreprise. Si on se remémore, si on se rappelle les fondements primordiaux de l'islam, à savoir le triptyque iman, la foi, islam, les pratiques culturelles, et ihsan, le perfectionnement spirituel, on se rend compte que tous ces trois piliers ont pour objectif cette éducation-là, ce progrès, cette amélioration de l'humain. Pour le premier pilier, la foi, le iman, qui est actualisé par la science qu'on appelle le tawhid, ou la science de l'unicité divine. Ce tawhid ne signifie rien d'autre que l'être humain doit réserver son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala en exclusivité et ne pas donc adorer les autres prétendues divinités. D'où d'ailleurs le sens de la shahada, qui a deux parties: la partie qui rejette la ilaha, donc qui la négation, et la partie qui affirme illallah, il n'y a pas d'autre divinité que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce tawhid nous permet donc de n'adorer que le Seigneur et de ne pas adorer les autres prétendus dieux. Quels sont ces autres prétendues divinités? Cheikh Amadou Bamba nous l'enseigne notamment dans le recueil Majmouha, rassemblé par son troisième calife Cheikh Abdul Ahad dans la bibliothèque de Touba. Serigne Touba nous enseigne que les quatre divinités qui veulent être adorées à la place de Dieu sont les quatre ennemis de l'homme: Nashadu, un nafs, Shaitan, Hawa, wa Dunya. L'âme charnelle veut que l'homme l'adore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme qui incite au mal veut que l'être humain adore son âme, donc son ego, plutôt que le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le tawhid rejette donc cette adoration-là. L'autre divinité qui veut être adorée, c'est Shaitan. Donc Shaitan veut que l'homme le suive pour qu'il le mène à la ruine. Donc là aussi, le tawhid rejette cette adoration-là. Hawa, c'est la passion, les passions négatives qui veulent être adorées. Et enfin, Dunya, avec tout ce qu'il y a dedans, l'argent, les plaisirs, qui veulent aussi que l'homme l'adore au lieu d'adorer le Seigneur pour le mener vers la ruine encore une fois. Et le tawhid donc rejette cette adoration là donc tout ça pour dire que le tawhid a pour objet de rendre l'homme exclusivement réservé au Seigneur pour se parfaire. Donc le tawhid n'est pas seulement une profession de foi verbale, mais c'est une pratique de tous les jours qui permet aux musulmans, aux croyants, de se rapprocher du Seigneur en se purifiant. Le second pilier, l'islam, les pratiques culturelles ou la soumission à Dieu, là aussi, ces composantes, si on les analyse, ont pour objet d'éduquer et de rendre meilleur l'être humain. Si on prend l'exemple de la prière, Tanha anil fahsha wal munkar, donc la prière qui doit éloigner l'homme de la turpitude et des actes blâmables. Donc, le but de la prière n'est pas seulement de faire une gymnastique, mais c'est il a pour objectif donc d'éloigner l'homme de la bassesse, d'éloigner l'homme de Aswala Safiline pour l'élever vers le Arsani Tahwim, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le jeûne aussi, la même chose. Donc nous vous avons recommandé le jeûne pour que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour que vous fassiez le bien et que vous vous abstenez du mal. La zakat aussi pour se purifier, etc. Donc en un mot, toutes ces pratiques spirituelles, toutes ces pratiques culturelles ont pour objet donc d'éduquer l'être humain. Et enfin, le troisième pilier, ihsan, le perfectionnement spirituel, qui est actualisé par le soufisme, le tasawuf. Là aussi, comme le définit Cheikh Amadou Bamba dans les Masalikul Jinan, pour lui, le soufisme n'est rien d'autre qu'une méthode pour purifier son cœur et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là aussi, la purification du cœur signifie l'éducation, l'amélioration, se départir des mauvais actes et donc pencher vers le bien. Cheikh Amadou Bamba, il est apparu dans un contexte très difficile, notamment marqué par la colonisation et ses dérives, notamment la colonisation française, qui est connue pour sa dimension assimilatrice,
qui remettait fondamentalement en cause les fondements sociétaux des colonies africaines, du Sénégal, etc. Qui faisait que la société était déstabilisée à plusieurs niveaux. Beaucoup d'indigènes, d'ailleurs le cheikh il le dit dans un poème qui s'appelle Ilham al-Salam, dans lequel il critique les indigènes qui imitent les mauvaises pratiques que leur enseigne leur colon blanc. Donc les gens avaient, il y avait beaucoup de pratiques qui étaient en contradiction avec la foi musulmane, avec la sunna, et donc les gens étaient plongés dans beaucoup de bid'ah, même la pratique religieuse était entachée par ces vices. Même le tawhid, donc là aussi il a dit dans le Majmouha précité tout à l'heure, il a dit quelque part la plus grande adoration dans notre époque est d'avoir une unicité, une foi absolue en l'unicité de Dieu, le tawhid. Tout ça pour dire que la peur qu'inspiraient les colonisateurs poussait certains indigènes à adopter leurs habitudes et à se départir donc de la foi authentique. Donc c'est dans ce contexte qu'il a apparu, et c'est peut-être ça qui explique au plan spirituel pourquoi le prophète lui a inspiré une autre approche de l'éducation. Parce qu'il a dit, notamment à Mbacké Kadior, après la disparition de son père, le prophète alayhi salatu wassalam est apparu et m'a dit « Rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bil darsi fahad » N'éduque plus tes disciples par la science livresque, théorique. Donc comme cela se faisait auparavant. Désormais, il faut allier cet enseignement théorique-là à la pratique, à l'éducation, à la tarbiya. Donc c'est ça qui marque pour les historiens la naissance du mouridisme à Mbacké Kadior aux environs de 1884-85. Donc qui montre encore une fois l'importance de l'éducation dans le système éducatif de Cheikh Amadou Bamba, qui donc allie la théorie et la pratique. Quand on analyse ce système éducatif, on trouve des constantes qui sont très intéressantes à nos niveaux et qui vont faire peut-être l'objet du commentaire que nous allons faire sur l'exposé. Donc une analyse qui nous permet de voir 6 ou 7 points qui sont des constantes à notre avis sur le système éducatif mis en place par Cheikh Amadou Bamba. Dans ce système éducatif, nous allons notamment trouver les khassaïd, donc qui font l'objet normalement de cet exposé, les khassaïd qui font partie des outils pour éduquer les disciples, pour éduquer les musulmans, donc les écrits de Cheikh Amadou Bamba. Si on analyse le système de Cheikh Amadou Bamba, on trouve donc 7 constantes à mon avis. La première constante, c'est un environnement sain, biha salih. Vous n'êtes pas sans savoir que Cheikh Amadou Bamba a créé plusieurs villages et a recommandé à ses grands disciples d'en créer aussi autant, ce qu'on appelle dans la recherche le front pionnier mouride. Pourquoi il crée ces villages? Ces villages étaient en général créés dans des environnements assez hostiles, donc qui étaient assez éloignés des centres urbains, pour permettre justement qu'on puisse donc mettre les valeurs que l'on voulait et les éloigner des vices donc qu'on redoutait. C'est comme toute proportion gardée dans un hôpital où on met un patient malade en état d'isolement pour que les germes ne poussent pas facilement l'attaquer. Donc dans le système de Cheikh Amadou Bamba, on retrouve comme constante un environnement sain. À la fin de l'exposé, nous allons peut-être essayer de voir comment dans notre contexte actuel essayer de rénover, tajdid, ce genre de constante pour effectivement nous conformer à ce système. Donc le premier élément à notre avis, c'est un environnement sain. Donc il est important qu'on élève un enfant, un adulte, une femme dans un environnement propice à ce que les valeurs qu'on lui inculque, qu'il ne les perde pas facilement. Deuxième élément nous semblant important dans le système éducatif de Cheikh Amadou Bamba, l'importance de la science théorique, l'enseignement, le tahlim. Dans le système de Cheikh Amadou Bamba, quelqu'un qui a les aptitudes d'apprendre les ouvrages religieux, d'apprendre le Coran, il doit les apprendre, notamment les enfants. Donc, il est important dans le système de Cheikh Amadou Bamba d'allier le hilm wal hamal, comme il le dit, la science théorique et la pratique. Dans le mouridisme, la science vient avant toute chose. Donc, c'est l'un des piliers les plus importants, pour ne pas dire le plus essentiel, qui fait qu'un mouride ne peut pas être un ignorant. Donc, dans le système de Cheikh Amadou Bamba, la science théorique, apprendre les fondements de la religion, notamment dans les ouvrages islamiques ou bien dans les ouvrages qu'il a lui-même écrit, Tazawwud Zikhar, Nahjou, etc.
Donc c'est important donc que le mourid acquiert la science théorique, parce que sans la science théorique, toute action qu'on fera ne sera pas basée sur la science et pourra être rejetée par le Seigneur et pourra même tomber dans les bid'ahs et dans les pratiques non conformes de l'islam. Troisième élément du système de Serigne Touba qu'on a remarqué, dans son système il y a toujours un moniteur, un professeur, un maître spirituel qui guide le disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son système, le disciple n'est pas laissé à lui-même. Il doit avoir un modèle vivant, un maître spirituel, un djawrin, quelqu'un qui doit le guider, qui lui dit fais ceci, ne fais pas cela. Donc ça c'est important dans son système. Et ce maître-là doit avoir les qualités requises pour faire cette formation-là. Donc dans le système de Serigne Touba, donc il y a des maîtres ou des leaders qui doivent normalement donc guider les disciples. Quatrième élément qui nous semble important dans son système, dans le système de Cheikh Bamba, éducatif notamment, on ne se contente pas d'apprendre la science théorique et de rester chez soi, mais il y a aussi une dimension importante qui est la khidma, que d'aucuns définissent comme le travail, mais qui va beaucoup plus loin que le travail. La khidma, c'est le service qu'on fait pour les créatures, pour la face du créateur. C'est, si vous voulez, ce que nous appelons dans nos recherches la dimension horizontale de l'adoration de Dieu. Parce que l'adoration, comme il se définit lui-même, Cheikh Amadou Bamba, le seul titre dont il s'est réclamé, c'est Abdullahi wa Khadim Rasoulihi. Abdullahi, adorateur de Dieu, au sens adoration verticale, avec donc en lisant le Coran, en priant, on ne fait face qu'au Seigneur, si vous voulez. Abdullahi, donc la première dimension, est Khadim Rasoul, donc la khidma, donc le serviteur du prophète, sous-entendu, le service pour les créatures, parce que le prophète, c'est la porte privilégié pour accéder à la création, rahmatul lil alamin, comme l'a qualifié le Seigneur. Donc pour faire le service pour l'humanité, on fait le service pour le prophète alayhi salatu wassalam, qui représente ces créatures. Donc la khidma, qui est très importante, que Serigne Touba lui-même a effectué pour le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui justifie son voyage ici au Gabon, parce qu'il le dit, l'exil n'est que la matérialisation de son vœu de s'engager dans le service du prophète alayhi salatu wassalam. Donc dans le système de Cheikh Amadou Bamba, les mourides, le disciple, le croyant doit s'engager dans ce khidma pour ses semblables. Donc par son travail, par son labeur, qu'il peut aller dans les champs, aller quelque, dans son bureau, etc. Donc il doit allier donc la science théorique et le travail, si vous voulez. Cinquième élément nous semble important. Donc il faut du ibada, il faut l'adoration, il faut du culte dans son système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mourid ou l'étudiant qui est dans le système de Cheikh Amadou Bamba ne se contente pas seulement de lire des livres à longueur de journée, mais il doit aussi appliquer cela dans les pratiques culturelles. Et ces pratiques culturelles, notamment il y a la prière et toutes les pratiques que vous connaissez, mais il y a, et c'est ça l'une des peut-être forces du mourisme, il y a un outil qu'a introduit Cheikh Amadou Bamba et qui est extrêmement puissant, à savoir ses écrits, les khasaïd. Les khasaïd font partie donc des outils les plus importants d'éducation de Cheikh Amadou Bamba, donc sur lesquels nous allons venir tout à l'heure. Donc il faut donc allier donc la khidma et les actes cultuels, donc la lecture du Coran, la lecture, parce que les khasaïd, c'est quoi les khasaïd? C'est des prières sur le prophète, c'est des éloges faits au prophète, c'est des louanges à Dieu, c'est des demandes de pardon, c'est des implorations. Donc tous ces actes là que l'orthodoxie islamique a consacré, qui sont complets par Cheikh Amadou Bamba dans ses écrits et dont on va parler de l'importance. Sixième élément du système de Cheikh Amadou Bamba, l'étudiant ou le mourid n'est pas laissé dans des conditions, disons, trop faciles. Il doit être, son âme charnelle doit être soumise à un certain nombre de conditions pour qu'il puisse se parfaire. Donc ça, c'est important. Donc nous n'insistons pas trop. Et enfin, le septième élément, c'est comment moduler ces six éléments dont nous venons de parler. Ça veut dire quoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il inspira à Cheikh Amadou Bamba son modèle éducatif en lui disant « Rabbi ashabaka bil himma wala turabi bidar sifahat » éduque tes disciples par la himma, c'est-à-dire la détermination infinie à avoir l'agrément de Dieu. Moi, c'est comme ça que je le définis, ou le postef en Wolof. Éduque tes disciples par le postef, par la détermination, et ne les éduque plus par la culture générale ou l'enseignement théorique uniquement. Il lui a aussi dit en même temps, il faut les éduquer chacun selon son tempérament, selon sa nature. Bima yalokh bi. Donc il faut les éduquer. Donc parmi ces six éléments là, chez certains, on va insister davantage sur l'enseignement théorique parce que ce sont des jeunes enfants qu'on ne peut pas faire travailler. D'autres,
ils ont atteint un certain niveau, disons, intellectuel qui fait que peut-être ils peuvent plus apprendre dans les livres. Chez Amadou Bamba, c'est ça aussi la force de son système. Il a prévu d'autres moyens d'acquisition de la connaissance. Tout à l'heure, Serigne Khalil nous a exposé ce qu'on appelle les tombes, les signes symboliques à travers lesquels il enseignait à ceux qui ne pouvaient pas lire dans les livres. Donc, il y a donc un équilibre à faire. Certains disciples vont se consacrer plus à la khidma, ce qu'on appelle les dongo tarbiyeux. D'autres vont privilégier la lecture des khasir, etc. Mais donc, tout ça dans, quand même dans un équilibre à trouver. Nous allons donc terminer, une fois qu'on a rappelé, à notre avis, les 7 éléments importants du système Cheikh Amadou Bamba, à savoir l'environnement sain, bien salih, science théorique, talim, un djourin, donc un maître spirituel, la khidma, la ibada, donc les conditions de vie en rapport avec ce qu'on veut faire et l'équilibre. Maintenant, on va revenir donc un peu sur les khasida, donc qui font l'objet de cette thématique-là. Donc, avant de conclure et de donner peut-être la parole aux autres. Pour ce qui est des khasayit, donc pluriel de khasida, qui veut dire poème, Cheikh Amadou Bamba, comme vous le savez, donc, c'est l'un des auteurs musulmans les plus prolifiques de l'histoire. Donc, il a énormément écrit. Il a passé toute sa vie à écrire. Et c'est assez impressionnant, si on se rappelle donc les conditions dans lesquelles il vivait. Par exemple, il a été exilé à partir de 1895 au Gabon, où il est resté dans des conditions très difficiles, là, à Libreville, à Mayomba, à Lambaréné, dans la forêt, soumis à des épreuves vraiment difficiles. Et ça ne l'a pas empêché tout ce temps-là d'écrire. Et c'est vraiment impressionnant, et ça montre que le hymne, le passif dont il parlait, il fut le premier à l'incarner. À son retour aussi, il a été détenu en résidence surveillée en Mauritanie, à Cheyenne, à Djourbel jusqu'à la fin de sa vie. Mais tout ce temps-là, il a passé à écrire, à s'adresser au Seigneur et à son prophète. Parce que toute son œuvre est articulée autour de Dieu et de son prophète. On ne peut pas trouver un écrit de Cheikh Amadou Bamba qui sort de Dieu et de son prophète. Et ça aussi, c'est impressionnant. C'est une constance. Pendant donc 33 ans de sa vie, de 1895 à 1927, il a produit une œuvre extraordinaire. C'est d'ailleurs pourquoi je parle dans mes recherches de siècle sénégalais de lumière, en référence au siècle des Lumières ou français. Parce qu'au cours de ce siècle, Cheikh Amadou Bamba et peut-être d'autres auteurs ont plus écrit que durant les 1000 ans d'histoire de l'islam au Sénégal, ce qui est vraiment extraordinaire. Je n'insiste pas trop sur ça. Donc, son œuvre littéraire, elle est impressionnante en quantité, mais aussi en qualité. Donc, parce qu'il a dit, pour avoir une idée de ce que représentent ses écrits dans son œuvre, il a dit « Karamati Khatou Yadi ». Mes miracles sont mes écrits. Là aussi, c'est assez impressionnant parce qu'en général, quand on parle de miracle, on pense à la prière sur la mer, à d'autres prodiges que les saints donc, accomplissent sous forme de karamat par inspiration sur les mojizat, les miracles des prophètes. Mais lui, en parlant de miracles, il dit que mes miracles sont mes écrits. Mes écrits sont mes miracles. Donc, cela montre donc, l'importance de ces écrits et nous allons peut-être tout à l'heure voir pourquoi. Il avait raison de le dire. En ce qui concerne maintenant ses écrits, comme nous l'avons dit lors de la dernière conférence à la mosquée sainte, à la mosquée de la montagne sainte, ils sont de deux catégories globalement. Il y a ce qu'on appelle les écrits didactiques, les ouvrages religieux, les Masalikul Jinan, Mawaibul Khudus, Jawhar Nafis, Tazawud Shuban, Tazawud Sikhar, etc. Donc, qui sont des ouvrages qu'il a écrits en prose, donc c'est des chassides normalement, mais qui sont destinés à la science théorique, au Tahlim. Donc, consacré au domaine islamique classique, le tawhid, le tasawuf, le fiqh, etc. Donc, là, c'est la première catégorie d'écrit. L'autre catégorie, c'est ce que nous, les mourus, nous appelons les khasaïd, qui sont aussi des poèmes, mais des poèmes qui ont une dimension spirituelle beaucoup plus consistante, si vous voulez. Donc, des poèmes qu'on lit pour avoir de la bénédiction, pour se rapprocher du Seigneur. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle les khasaïd. Donc, dans notre terminologie, quand nous allons parler d'ouvrages, ce sont les ouvrages didactiques qu'il a écrits, et les khasaïd, on va le réserver donc au poème qu'il a écrit en louange à Dieu, imploration à Dieu, istighfar, demande pardon à Dieu, salawat à la Nabi. Il a énormément donc créé de prières sur le prophète, c'est extraordinaire, donc de déloges sur le prophète, des panégyriques, donc notamment Jazbul Khulub, Mouaibun Nafir, Djalibatou Marahib, Mafatihul Bishri, Nourou Darin, etc. Donc c'est ça
que nous appelons nous les Khasaïd. Donc ces Khasaïd ont plusieurs dimensions. Hein, donc nous pourrons peut-être toujours citer trois dimensions. Il y a une importance spirituelle extraordinaire, c'est sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Il y a aussi une importance intellectuelle. J'aurai pas peut-être le temps de me pencher là-dessus, parce que les Khasaïd, c'est pas seulement des prières, mais c'est des pensées, c'est un projet de société, c'est une vision du monde qu'il convient aux intellectuels et aux chercheurs de pouvoir donc comprendre par une herméneutique et une recherche approfondie. Donc j'aurai pas peut-être le temps de me pencher sur ça. La troisième dimension, c'est ce que j'appelle la dimension socio-économique ou même politique au sens noble, parce que là aussi, si on s'appuie sur les écrits de Chiamadou Bamba, on pourra offrir au monde actuel une alternative au mode de pensée de la matérialité que l'Occident et la mondialisation peut-être a tendance à nous imposer. Donc je vais tout juste donc me focaliser sur la première importance, la première dimension, qui est la dimension spirituelle, qui est en rapport peut-être avec la thématique de l'éducation. Pourquoi les écrits de Chiamadou Bamba sont puissants sur ce plan-là? Parce que primo, ses écrits sont le fruit d'une intention sincère et pure. Et comme vous le savez, en islam, innamal a'mal binniyat. Donc, les œuvres dépendent des intentions qui furent à la base. Et Chiamadou Bamba, tout ce qu'il a écrit, il l'a fait pour la face de Dieu, il l'a fait pour le service du prophète. Donc, il a bénéficié donc de cette intention que d'autres auteurs peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir. Parce que si on revisite l'histoire de la littérature à travers le monde et de la pensée même, de façon générale, on verra que beaucoup d'autres ont écrit pour d'autres raisons qui sont différentes donc de l'agrément de Dieu. Donc ça, c'est une chance qu'on ait des œuvres, des poèmes dont l'auteur a une intention sincère donc de réhabiliter l'islam. Second caractère qui est important pour les Khasaïd, c'est que après l'intention, la manière de d'écrire ces ouvrages là et leur contenu sont conformes à l'orthodoxie islamique et sont fondées sur la science. Pourquoi je le dis? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre de Chiamadou Bamba est articulée sur deux niveaux: Dieu et son prophète Abdullah wa Khadim Rasoulihi. Pour ce qui est de Dieu, il y a les implorations, donc Matlabo Fawzaini, etc., dans lesquels il implore le Seigneur. Il y a des demandes de pardon, Taubatun Nasoh, il y a du zikr, il y a le choukr, la reconnaissance à Dieu, zikr, l'évocation des noms de Dieu. Toutes ces dimensions-là sont étayées par le Coran et la Sunna, qui montrent que c'est important en islam, et c'est ça qu'il a mis dans ses écrits. La seconde dimension concerne le prophète, là aussi, Salatu Sita Bimatri Sita. Donc, il consacrait son temps, comme il a dit, à deux phases. L'une consacrée aux éloges du prophète, donc où il rappelle ses bonnes qualités, ses belles qualités, son comportement, pour inciter les musulmans à l'aimer et à l'imiter. Ça, c'est deux. Et l'autre dimension, c'est les salawat à la Nabi, parce que c'est le Seigneur lui-même qui a demandé aux croyants de prier sur le prophète après que lui et les anges aient prié sur lui. Donc, là aussi, c'est une recommandation du vide que Chiamadou Bamba a actualisé dans ses écrits. Donc, sur le plan de l'orthodoxie, donc, rien à dire. Je défie quiconque, donc, tout savant, de faire des recherches approfondies sur l'œuvre de Chiamadou Bamba et d'y trouver une partie qui n'est pas conforme avec des arguments à l'orthodoxie islamique et à la Sunna. Une autre dimension aussi importante, c'est le sacrifice qu'il a consenti, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour écrire cette œuvre-là. Il a écrit dans des conditions très difficiles qui démontrent sa sincérité. C'est pourquoi, au niveau de l'efficacité, au niveau de l'éducation, il a dit mes écrits, c'est Chiamadou Bamba lui-même qui dit, je cite, mes écrits font parvenir l'adorateur vers Dieu sans recours aux retraites spirituelles. Donc, les retraites spirituelles, les ihtikaf, normalement, ils avaient pour objet, notamment chez les grands soufis, d'isoler le croyant et de lui permettre de recevoir les grâces divines, donc en un lieu d'isolement, donc avec des zikres, etc. Lui, il dit que ces écrits permettent aux croyants, aux disciples, d'avoir les mêmes faveurs sans avoir besoin de se retirer de la société. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce qu'on a avec les retraites spirituelles, c'est la purification du cœur, donc le rapprochement, la proximité avec Dieu et avec ses écrits. C'est lui-même qui l'a dit, et c'est pas les mourides qui ont inventé ça, comme certains peut-être ont tendance à penser que les mourides, ils exagèrent dans leur vénération de Chiamadou Bamba, etc. Mais c'est lui-même qui l'a dit, et il ne le dit pas, tout ce qu'il dit, il ne parle pas par passion, il le dit, s'il le dit, c'est parce que le Seigneur l'a autorisé à le dire, parce que c'est une faveur de Dieu, il fait partie des faveurs de Dieu. Il a aussi dit
mais dont resteront purs jusqu'au paradis, et mes écrits constitueront un remède contre le mal. Il a aussi dit que mes écrits mènent le mourit vers l'enceinte scellée de Dieu. Donc tout ça, ça montre que donc les chassaïd, si on les utilise dans les conditions requises, c'est-à-dire avec l'intention sincère d'adorer le Seigneur et de s'approcher de lui, et si on le fait dans la purification rituelle, dans des endroits avec des habits, avec les ablutions et tout ce qu'il faut, tourner donc vers le Seigneur pour avoir son agrément, c'est sûr que donc on va se rapprocher de ça. Et ça, c'est pas les mourides sont bien placés pour le savoir, comme je l'ai dit la dernière fois. Combien de jeunes hommes qui avaient d'autres pratiques mondaines, qui suivaient leurs passions et tout, et qui quand ils ont commencé à lire assidûment les Qasaïd, ont changé radicalement, se sont métamorphosés au point que leur entourage ne pouvait plus les reconnaître. C'est comme s'ils étaient sortis des grandes daras, ou bien s'ils faisaient partie même des illustres compagnons du Cheikh, alors qu'ils sont nés dans des environnements urbains, ils sont passés par l'école occidentale, etc. Mais ce sont les Qasaïd qui les ont transformés comme ça. Donc là, je pense que les mourides sont bien placés pour... Là, c'est des exemples vivants. Maintenant, à titre de conclusion, une fois maintenant qu'on a tenté de réfléchir sur le système éducatif de Cheikh Bamba, notamment l'importance de ses écrits, maintenant la question, en termes de perspective, comment nous, les mourides modernes du Sénégal, du Gabon, de la diaspora, pouvons nous inspirer de cette démarche-là pour matérialiser d'autres outils qui peuvent nous permettre de rester dans le sillage tracé par Cheikh Bamba. Parce que pour moi, c'est ça le plus important dans ce genre de débat. Ce n'est pas seulement de rappeler des choses passées, mais regarder, analyser, essayer de comprendre comment nous pouvons nous appuyer sur ces principes importants que nous ont légués nos pieux ancêtres comme Cheikh Bamba, pour à notre tour nous créer des choses qui peuvent donc nous mener non seulement vers la félicité, mais des faveurs que nous devons même partager avec les autres peuples, notamment le peuple gabonais ou les autres civilisations. Pour à notre avis, pour atteindre cet objectif-là, il est nécessaire que les mourides, surtout, parce que c'est eux qui sont les premiers interpellés sur cette actualisation, donc comprennent et se rappellent que la mission de Cheikh Bamba, c'était le tajdid, la rénovation des principes de l'islam. Cheikh Bamba, il a dit, comme avec surtout le vers que j'ai l'habitude de citer, l'il Mustafa nawaituma yujaddidu sunnatuhu harra wa inni ahmadu. Ma mission, mon ambition, mon intention, c'est de rénover, c'est de réhabiliter les fondements premiers de l'islam dans leur pureté originelle. C'est ça qu'il avait entrepris. Donc le tajdid, ça veut dire il rénove les principes de l'islam. Rénover, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour prendre un exemple qui peut être clair peut-être pour beaucoup, l'islam est comme un arbre. Un arbre, il a des racines, il a des branches. Les racines de l'arbre, on n'y touche pas si on veut que l'arbre vive. On ne doit pas les couper. Donc c'est ce qu'on appelle les usul, si vous voulez. En islam, il y a des principes auxquels on ne touche pas, des principes qui ne changent ni dans l'espace ni dans le temps. Donc l'islam, il a des principes. Quels sont les principes de l'islam? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Iman, la foi, islam, ihsan, et tout ce qui tourne autour, la prière, ça ne change pas, le zakat, ce ne sont pas des choses auxquelles on touche parce que le temps a changé, parce qu'on est dans un autre contexte. Ça, c'est des choses qui sont stables, c'est des constantes. Maintenant, les branches de l'arbre, les branches, on peut les couper, on doit même les couper quelquefois pour les adapter aux saisons. C'est ça les méthodes. En islam, il y a des principes qui sont constants et des méthodes qu'on doit adapter dans l'espace et dans le temps. Même dans certains pays européens, par exemple, au moment de l'hiver, donc il y a les services communaux qui coupent certaines branches pour même revivifier l'arbre. C'est la même chose en islam. Les méthodes pour actualiser les principes, on les adapte dans l'espace et dans le temps. Cheikh Bamba, ce qu'il a dit, il a rénové, sa mission c'était de rénover, et on a vu comment il a rénové dans beaucoup de domaines. Tout juste pour prendre quelques exemples. Dans le domaine de la science, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est venu, il a introduit la tarbiya. Et même dans l'enseignement théorique, il ne s'est pas contenté des ouvrages qui existaient, les Umul Barahin, les Risales et autres. Il les a versifiés et les a rendus beaucoup plus accessibles à son peuple. Ça, c'est une rénovation. Dans le domaine du djihad, avant lui, la plupart de ses prédécesseurs utilisaient le djihad armé pour combattre les colonisateurs ou leurs ennemis. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu, il a dit « Inni ujahidu bil hulum wa bituqa, habdan hadiman wal muhaymin shahidu ». Moi, mon djihad, je le fais par les sciences et la crainte de Dieu, les valeurs éthiques, mais je ne la fais pas par les armes. Ça, c'est une rénovation. Donc, nous, les mourides,
Nous devons donc apprendre à continuer cette œuvre de rénovation, surtout si l'on se souvient que Cheikh Amadou Bamba a semblé annoncer que cela devait se poursuivre, notamment quand il dit « Zuriyatan tayyibatan tujadidu nahjanabil musfa tajtahidu » Seigneur, je te prie d'avoir des descendants ou des successeurs de façon plus générale qui vont continuer l'œuvre de rénovation que j'ai entamée, et il a donné des conditions pour que ces successeurs-là puissent faire cette rénovation. Il faut qu'ils soient pieux, il faut qu'ils soient donc qu'ils aient la science. Maintenant donc, nous devons donc continuer cette œuvre de rénovation-là, notamment avec le système éducatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les Mourides, nous devons penser à Touba, dans les Kersen Touba ici au Gabon ou ailleurs, essayer de recréer cet environnement-là. Il faut par exemple à Touba qu'on ait un système éducatif qui allie les valeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la science, la tarbiyya et tout ça, avec même les sciences modernes. Ça, je pense, c'est important. Au niveau des Kersen Touba aussi et des Daïre, il faut donc qu'on s'inspire de ces méthodes-là pour mieux éduquer les disciples, éduquer nos enfants, parce qu'il y a un problème qui commence à se poser. Il m'arrive de visiter certains pays européens ou même aux États-Unis et même ici, mais on est en train de constater un problème au niveau des nouvelles générations, même de Mourides qui sont nés dans ces pays-là. Par exemple, certains enfants qui sont nés dans des pays qui ne sont pas des pays musulmans, ils ont tendance même à avoir de nouvelles attitudes, de nouvelles valeurs qui sont différentes des valeurs enseignées par Cheikh Amadou Bamba. Et ça, je pense qu'il est important que, ici par exemple au Gabon, qu'on ait des écoles, qu'on ait des Kersen Touba, dans lesquelles nous pourrons éduquer nos enfants et en faire de vrais Mourides. Parce que pour moi, ce sera une perte incroyable si, avec tous les sacrifices que les émigrés consentent pour le bien-être de leur famille, parce que c'est extrêmement dur l'immigration, qu'on ait des enfants qui ne seront pas des musulmans ou des enfants qui ne seront pas de vrais Mourides. Donc ça, je pense qu'il faut y réfléchir. Au niveau des médias aussi, je pense qu'il est important, parce qu'on ne peut pas parler d'éducation dans le monde dans lequel on est si on n'a pas des médias puissants, capables de relayer ces bonnes valeurs et de faire face aux médias prédominants qui actuellement pervertissent les valeurs. Et enfin, au niveau des Mourides aussi, il faut se rappeler que le système de Cheikh Amadou Bamba n'est pas seulement constitué des Khassaïd, mais aussi d'autres éléments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a sept. Enfin, j'en ai vu sept. Donc, il y a la science théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui lisent des Khassaïd et aiment vraiment les Khassaïd, il ne faut pas qu'ils arrivent à penser qu'il n'y a que les Khassaïd qui existent dans le système de Serigne Touba. Il y a autre chose. Par exemple, quand on lit Djalibatou Marahib, c'est bien, mais il faut aussi avoir lu Massalikul Jinan avant de lire Djalibatou Marahib. C'est extrêmement important. Il ne faut pas seulement se focaliser sur une partie de son œuvre et ignorer l'autre. C'est comme si cette autre partie-là n'avait aucune valeur. Il faut donc apprendre les Djawhar Nafis, les Tazoukhar et tous les principes qu'enseigne Cheikh Amadou Bamba avant de commencer à lire Nourou Daredi, Fatoul Bichri, etc. Donc c'est important, la science théorique dans le système de Cheikh Amadou Bamba. Avoir aussi des Djawrin, c'est-à-dire des dirigeants intègres qui pourront nous rectifier au besoin, là aussi je pense que c'est important dans ce système-là et de pas. Donc la khidma, comme je l'ai dit, si on lit l'Akhsaïd aussi, il faut y allier la khidma. Il ne faut pas seulement penser que non, moi, le temps que je prends pour, par exemple, faire du café pour le daïra ou autre chose, je préfère rester dans mon coin et lire tel Khassaïd. Non, il faut intégrer tout ça. Parce que les premiers Mourides, leur force, pour moi, à mon avis, c'était ça. C'est qu'ils savaient allier tout cela à la fois. Ils lisaient le Coran régulièrement, ils lisaient les Khassaïd régulièrement, mais ils avaient aussi des maîtres spirituels, ils donnaient la hadiya, ils allaient au champ, etc. Et c'est ça, pour moi, le modèle éducatif de Cheikh Amadou Bamba que nous trouvons dans un écrit, et nous prions le Seigneur qu'il fasse de nous donc de dignes successeurs, que nous pourrons donc actualiser ces valeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.